comprendre euh, comment travaille cette haute autorité euh, qu'est-ce qu'elle étudie très concrètement alors là dans l'immédiat, elle va étudier la situation fiscale des intéressés et donc elle s'adresse euh, au service des impôts euh, à la direction des, des finances publiques euh, pour obtenir les renseignements qu'elle souhaite et c'est elle qui euh, pilote l'opération en quelque sorte et et ensuite, après que les ministres auront été nommés, là, elle aura le rôle de vérifier euh, concrètement leur déclaration de patrimoine qui sera rendue publique, cette fois-ci, et puis de vérifier s'il n'y a pas eu de sous-estimation, d'erreur. C'est une, euh, une création de, de, de François Hollande, enfin de la présidence Hollande. Mmh, suite à l'affaire Cahuzac. À, suite à l'affaire Cahuzac, et qui euh, fonctionne très bien, mais voilà. Alors là, c'est la situation fiscale. Oui. Euh, ce sont les, les potentiels ministres qui fournissent des document ou Bercy a déjà tout alors euh, non, ce sont euh, c'est à Bercy euh, et, et les services locaux euh, qui disposent des renseignements. Euh, c'est une procédure un peu inadaptée, normalement la, euh, enfin in inédite, je veux dire, mm -hmm. puisque normalement la haute autorité se prononce une fois que les ministres sont nommés. Bon, Ça c'était avant. Mais, mais c'était avant. Mais comme il y a eu dans ce cas-là euh, euh, l'affaire d'un ministre dont on a découvert c'était tefdou, mm -hmm. huit jours après sa nomination qu'il n'était pas en règle les, avec les libertés, impôts, avec le paiement des impôts. Et, ouais. et donc euh, on l'a démissionné. Et là, je pense qu'Emmanuel Macron tire la leçon de ça et, et, et applique le principe de précaution en mmh. quelque sorte.